L'illusion, c'est un paradoxe, mais il n'est pas bien grave. Il n'est pas bien grave. Tiens. Quand j'en allais voir, vous ne trouvez pas. Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Bah, ce que vous aviez. 9 fois sur 10, il accompagnait en disant « Je serai sur pied demain matin. » Vraiment? Ou alors, il se dépêchait, il criait à peine, il se dépêchait de parler de trop chaude. Pendant 1 heure, il se sont oubliés parfois. Pas aussi longtemps pour ça. Et aussi, il vous prescrivait des remèdes de réaction. Une simple tisane parfois. Alors vous imaginez bien que les gens qui perdent 10 francs et une consultation ne vont pas trop pour leur prescrire un remède. Ce que vous me dites me fait réellement la peine, mais je vous ai fait venir pour autre chose. Qu'a-t-il demandé au docteur Pascalet lorsqu'il vous chargeait d'une annonce? Il ne me chargeait jamais d'une annonce. Comment? Vous faites 30 ans qu'il était là? 30 ans, pas une annonce, je vous jure. Vous pouvez avoir oublié, bref. Je ne puis vous voir. Quel sont vos tarifs? Alors, 3 francs le petit tour et 5 francs le gros tour. D'ailleurs, je conseille à monsieur. Au docteur? Je conseille au docteur, suivant à 2 francs près, le grand tour qui est beaucoup plus avantageux. Très bien. Je prends le grand tour, vous êtes disponible. Ah, tout de suite, s'il vous plaît. Voici une personne à l'annonce. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville du canton de Saint-Maurice. Et à l'honneur de lui faire connaître que dans un esprit philanthropique, et pour enrayer les progrès inquiétants des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salées autrefois, il donnera tous les lundis de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite, réservée aux habitants de l'île. Les personnes étrangères comptant, la consultation restera au ordinaire de 10 francs. Donc, vous devez dire une idée de l'erreur, une idée qui sera difficile. Mais vous savez, cette annonce va tomber dans tout ce monde. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Je tâcherai de me débrouiller. Il n'y a pas que cela. Les clients, le docteur, Parpalais, vont recevoir bien que le lundi. Alors, si vous le résolvez l'artiste. Ce que je veux, mon ami, c'est que les gens se soient. Si je voulais perdre de l'argent, c'est à Paris que je m'installerais. Ou à Chicago. Alors là, vous avez mis le doigt dessus. On ne se sent pas assez. On se met trop durement. On ne veut pas s'écouter. Quand le mal se tient, on se force. Autant pour être les animaux. Je vois que vous raisonnez avec une grande justesse, mon ami. Oh, bien sûr que je raisonne. Ce n'est pas la solution que je rêve, mais il y en a plus instruits que moi qui ne m'en rentrera pas. Monsieur, vous ne pas le nommer, on sait quelque chose. Si je vous racontais, monsieur. Docteur. Docteur. Si je vous raconte que monsieur le préfet se trouvait à la mairie dans la grande salle des marines. Et vous pouvez en demander attestation à des personnes qui présentent. Monsieur le premier adjoint pour nous nommer, ou alors monsieur Michel, et qu'alors? Et qu'alors monsieur le préfet avait tout de suite à qui il avait affaire, et que le tambour de ville était un tambour qui résonnait mieux que d'autres qui n'étaient pas tambour, mais qui se prenait pour quelque chose de bien plus fort qu'un tambour. Mais qu'est-ce qu'il n'a plus su quoi dire? C'est monsieur le maire. C'est la vérité. Il n'y a pas un mot à changer. Bon, je dirais que vous étiez là dans un coin. Je n'y étais pas un peu. Oh, alors c'est quelqu'un qui vous l'a raconté. Quelqu'un de bien placé. Vous ne connaissez pas la tête que vous en avez parlé à monsieur le préfet récemment. Bon, je compte sur vous, mon ami, et au mouvement, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas venir à l'heure, ou j'arriverai en retard. Est-ce que ça serait l'effet de votre bonté de vous donner ma consultation? Oui, mais dépêchons-nous. Dépêchons-nous, j'ai rendez-vous avec monsieur Musquet, l'instituteur. Monsieur le pharmacien, il faut que je le reçoive avant que les autres n'arrivent. Dépêchons-nous.
De quoi sont faits? Bien. Quand j'ai dîné, j'ai été dans ma maison. C'est un chef. Ou plutôt, c'est un bâtiment. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me gêne bien un peu aussi. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé la quelques journées, Patti? Alors, j'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouille davantage. Ah! Très très important, mon ami. Quel âge avez-vous? 51, 52. Plus près de 52 ou plus près de 51? 52. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain, gardez-vous. Pour vous, mes visites seront gratuites. Mais ne dites pas, c'est une faveur. Ah, vous êtes trop bon. Et désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Où ça, par ici? Là, entre les deux. Ce serait... Là, entre les deux? Ah oui. Ce serait pas rien à gauche? Là? Ah oui, ça fait mal. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Ah oui, ça fait mal. Ah, mon ami, il était temps de vous soigner. Est-ce que vous fumez? Je chique. Défense absolue, chiquier. Vous aimez le vin? Bah, j'en bois modérément. Une goutte de vin. Vous êtes marié? Sagesse totale de ce côté-là. Aujourd'hui, comme vous travaillez, vous prenez un peu de potage. Mais demain, nous entrerons à des restrictions plus sérieuses. Dans votre cas, faites votre travail. Gardez-vous en vie. Couchez-vous entre le lever et le coucher du soleil, c'est pas la même. Au revoir, mon ami.